13. I will read the Bible in the name of Jesus. Je lis la Bible dans le nom de Jésus. For God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Amen. Amen. Hallelujah. He came down to the level of the creation. Because he just wants us to feel love. Parce qu'il veut juste qu'on soit aimé, qu'on se sente aimé. This is the first thing Jesus is teaching us. C'est la première chose que Jésus nous enseigne. I love you. Je t'aime. Despite everything that you can go through. Malgré tout ce par quoi tu passes. I love you. Je t'aime. Even though sometimes you can wake up, oh, I don't have money, you can complain. Souvent on peut se dire, mais j'ai pas d'argent. But Jesus says, don't look at this thing. Ne regarde pas ces choses. You. Je t'ai choisi. Je t'aime. Tu es là au milieu de nous. Jesus, you are here in the midst of et us. Je veux bénir ton nom parce que je ne sais pas si je ne bénis pas ton nom, qu'est-ce que je ferai d'autre? And I want to bless your name because I don't know any other way. Si je respire, if I'm breathing, c'est à cause de toi. It's because of you. Et on a commencé à beaucoup le mois de juillet. We started the month of July. Mais le mois de juillet finit, il y a des gens qui ne sont plus là. But at the end of July, some of the people are not there anymore. Mais moi, je ne mérite pas la vie plus que ces gens-là. But I don't deserve life more than those people. Mais ta grâce m'a trouvé. But your grace found me. Alors je bénis ton nom cet après-midi. So I bless your name this afternoon. Et je reconnais qu'il n'y a que toi. And I recognize that il n'y a que toi. There's only qui you mérite tout. That deserves au everything. Nom de Jésus. In the name of la Jesus. Rosa Santa de Bashanta. Robaba Santa. Dieu, nous te louons. We worship you, Lord. I worship your name. Oh, Jesus, I worship your name. Father God, I bless your name. You are worthy to be praised, Jesus. Oh, you are worthy to be praised, Father God. There is none like you, Jehovah. There is none like you, Father God. Oh, you are God alone. He is our way maker. You are our way maker, oh God. And we want to declare, we want to sing it to you, God. You are here, moving in our midst. I worship you. You.
louanges. Yes, you are seated on your throne. Tu es assis sur ton trône. And you deserve our worship and our praise et today. Et tu mérites toute notre louange et notre adoration. The Bible says he is seated on the throne. La Bible déclare and qu'il est assis sur le trône. And he does whatever pleases to him. Et il fait tout ce qui lui and plaît. And let me tell you today. Et laissez-moi vous dire aujourd'hui. That he is seated on the throne. Qu'il est assis sur le trône. And he has decided to bless you. Et il a décidé de vous he bénir. He has decided to lift you up. Il a décidé de vous élever. He has decided to comfort you. Il a décidé de vous réconforter. Because he's seated on his throne. Parce qu'il est assis sur son trône. And he can't change his mind about that. Et il ne peut pas changer d'avis sur ça. The Bible says that he has great plans for you and I. La Bible déclare qu'il a de grands plans pour nous et pour nous. Plans to give us hope and a future. Des plans pour nous prospérer et nous donner un futur. I don't know what you went through to this past week. Je ne sais pas ce par quoi vous êtes passé cette semaine. I don't know what bad news you got this past week. Je ne sais pas quelle mauvaise nouvelle vous avez eue. But let me tell you that the God that we worship in this place. Mais laissez-moi vous dire que le Dieu que nous servons dans cet endroit. He's a God who was not elected to sit on the throne. Il n'a pas été élu pour s'asseoir sur le trône. He sat on the throne by himself. Il s'est assis sur le trône lui-même. So nothing is too difficult for him. Alors rien n'est difficile pour lui. So I just want you to stand up in his presence. Alors j'aimerais qu'on se lève dans sa présence. Honor him. Et qu'on l'honore. Honor the God. Honorez le Dieu. That we're praising in this place. Que nous louons dans cet endroit. He deserves our reverence. Il mérite notre reverence. He deserves our worship. Il mérite notre louange. He deserves that we clap our hands il for mérite him. Qu'on l'applaudisse. He deserves that we bow for him. Il mérite qu'on s'incline devant lui. Because he is God. Parce qu'il est Dieu. And he is seated on his throne. Parce qu'il est assis he sur son is trône. God alone. Il est Dieu seul. Nothing will change it. Et rien ne pourra changer your cela. Situation cannot shake him up. Votre situation your ne peut pas le troubler. Shake him up. Vos problèmes Let ne peuvent pas le troubler. That you are in the right place. Laissez-moi vous dire que vous êtes au bon endroit. You are in the right place. Vous êtes au bon endroit. You are in the right place. Vous êtes au bon endroit. You will not be disappointed. Vous ne serez pas déçu après ce culte. Because God will use this service. Parce que Dieu va utiliser ce culte. Something new in your life. Pour démarrer quelque God chose de will nouveau use this service. Il va utiliser ce to service. Start something new in your life. Pour démarrer quelque Hallelujah. Chose de nouveau dans votre vie. Alléluia. If you believe it, just clap your hands. Si vous le croyez, applaudissez. Si vous le croyez, applaudissez. If you believe it, just clap your hands. Si vous le croyez, applaudissez. Hallelujah. Alléluia. We give him all the praise. Nous lui donnons toute la we gloire. We give him all the worship. Nous donnons toute l'adoration. We give him all the reverence. Toute la révérence. In Jesus name, dans le nom de Jésus, nous avons prié. We may be seated in nous pouvons his nous asseoir presence. Dans sa présence. Hallelujah. Hallelujah. Yes, he is God alone. Oui, il est Dieu seul. He is God. Il est Dieu. We're not worshiping a God made by human hands. Nous ne louons pas un Dieu qui a été fait de main d'homme. And so we know that everything, anything that we think is impossible. Et nous savons que tout ce que nous pensons est impossible. I just want to encourage you. J'aimerais juste vous encourager. This Lord just put it in my heart to share it. Mais le Seigneur a juste déposé ça dans mon cœur. On his throne. Qu'il est assis sur son trône. And your situation will not shake him up. Et votre situation ne le troublera pas. He has the power to change things. Il a le pouvoir de changer les choses. Impossible to you. Les choses que vous croyez impossible. Les choses que vous croyez impossible. That you got from the doctor, the report that you got from the immigration, le diagnostic des the médecins, report that you got from wherever. Tout ce que let me tell you that the God that we worship in this vous place, dire que le Seigneur qu'on loue dans cet endroit, is powerful. Il est puissant. And he has the authority. Et il a l'autorité to change bad news into good news. De changer les mauvaises he nouvelles en bonnes nouvelles. Il a l'autorité to even change the result of the doctor. Pour changer le diagnostic he has the du authority. Docteur. Il a l'autorité. They tested you and they say you are positive. Ils vous ont dit, but ils he ont dit can que change it into negative. Mais il peut he is an amazing positif, God. He is a powerful God. Il est le Dieu puissant. Hallelujah. 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 We give him all the praise. Nous lui donnons toute la louange. Hallelujah. Hallelujah. I'm gonna get into my assignment. Alors maintenant, je vais rentrer which dans was ce que je suis là pour faire. Share a couple of announcements with the church. J'aimerais partager special announcements that we have coming up. Des annonces spéciales. We first of all thank the Lord for what he did in St. Catherine yesterday. Premièrement, nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait à Sainte-Catherine hier. For everything that he did. Nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il a fait. And we are also still continuing with our Bible reading program. Et on continue avec notre programme de lecture de la Bible. And we are starting in Ruth, the book of Ruth. Et nous commençons le livre de Ruth.
And today we're reading from chapter 1 to chapter 4. Et aujourd'hui on va lire de 1 à 4. We really encourage you to join. Or we're finishing today. On finit aujourd'hui, donc on vous encourage à rejoindre le programme. And this coming Friday, et le vendredi prochain, we have our cross night prayer. On a notre veillée de prière. The Bible says you have not because you ask not. La Bible dit car vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. This time is really the time where you are given to pray, to cry, to ask. Alors ce temps nous vous le donnons pour prier, pour demander et pour pleurer. And so we encourage everybody. Et nous vous encourageons tous to be present. À être présent. I believe it's August 3rd. Je pense que c'est le 3 août. At 10 p.m. À 22h. And for the month of August. Et pour le mois d'août. We're starting a special fasting and prayer program every Friday. On démarre un nouveau programme de jeûne et de prière chaque vendredi. And it's starting from midnight to 6 p.m. Et ça commence de minuit à 18h. Amen. Amen. And we encourage everybody to take part in this. Et nous vous encourageons tous à participer. Praying is good. La prière c'est bien. But fasting and praying is even better. Mais jeûner et prier c'est encore mieux. And so we encourage you to take part into this program. Donc nous vous encourageons à participer à ce programme. Amen. Amen. And so at this time we just want to take the time to welcome some special people. On aimerait prendre le temps d'accueillir des personnes spéciales. Who God sent in this place. Que Dieu a envoyé dans cet endroit. If you're here and this is your first time joining us to worship with Divine Grace Gathering. Si c'est la première fois que vous êtes ici à Divine Grace Gathering. We invite you to signify by raising your hand. Vous invitons and please standing up. À vous lever votre main et s'il vous plaît vous mettre debout. We just want to give you a warm welcome. On aimerait vous accueillir chaleureusement. So Divine Church, Divine Grace Gathering, let us welcome them. Alors Divine Grace Gathering, accueillons-les. You are very welcome in the house of the Lord. Vous êtes plus que bienvenue dans la maison du Seigneur. We really believe that it's not by chance that you made it in this place. Nous croyons que c'est pas par hasard que vous êtes ici. God wanted you here today at this very moment. Dieu voulait que vous soyez ici en ce moment même. And we believe that you will receive something particular. Et nous croyons que vous allez recevoir quelque chose de particulier. If you already have a church, si vous avez déjà une église, we ask you to greet your church when you go back. Veuillez saluer les gens de votre église quand vous retournez. But if you do not have a church, mais si vous n'avez pas encore d'église, this can become your home church. Alors cette église peut devenir la vôtre. And I can tell you, et je peux vous dire, that you will be blessed in this place. Que vous serez bénis dans cet endroit. And so at the end, please do not be in a rush. À la fin, veuillez ne pas être pressé, s'il vous plaît. Our usher team will take you to a room on my left. Le protocole va vous conduire vers une salle qui est à ma droite. And you will get a chance to learn a little more about the church. Et vous aurez l'opportunité d'en apprendre plus sur l'église. And ask questions that you may have. Et poser les questions que vous pourriez avoir. Amen. 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 And is there anyone among us who celebrated their birthday? Et parmi nous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a célébré son anniversaire cette semaine? Anybody? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Okay. Okay. Nobody. Personne. We praise God. Nous louons le Seigneur. All right. Offering time. Temps des offrandes. Offering time. Temps des offrandes. The Bible says, "Give and it shall be given to you." La Bible déclare, donnez et il vous sera donné. A good measure. Une bonne mesure. Pressed down. Shaken together and running over. Amen. And so, as we're giving, I just want to. Alors que nous allons donner. To encourage us as we do it in this church. J'aimerais vous encourager. To give an assignment to your offering or your tithe. À donner une tâche à votre offrande ou à votre dîme. Ask God, give an assignment to your giving. Donnez donc une tâche à votre offrande. And ask God to manifest himself in it. Et demandez au Seigneur de se manifester à travers cette offrande. And I'm going to ask our Papa Roger to come forward. Et j'aimerais demander à Papa Roger de s'avancer. And please pray for the offerings. Et de prier pour les offrandes. Nous voici devant toi, Seigneur. Cette offrande est aussi notre adoration. Cette offrande est aussi notre louange. Nous venons, Seigneur Dieu, déposer cette offrande en la nommant de tous les noms que nous avons, que nous nommons maintenant. Reçois la gloire et laisse que, Seigneur, cette offrande ou cet argent puisse faire avancer ton œuvre.
puisse faire reculer le royaume des ténèbres, puisse bénir tes enfants. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous permets de participer à ton œuvre. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. And as we're giving, I'm just going to ask us to watch the screen for our regular weekly announcements. Et alors que nous sommes en train de donner, veuillez regarder l'écran pour les annonces. Redeemed by God's unfailing grace and experiencing God's undeserved favor, we believe that through grace, God has forgiven us of our sins and has saved us from death. We are a family with a mission to pursue God like never before and a heart to enlarge the kingdom of God. We would like to invite you to come as you are, with all of your faults and imperfections, and we welcome you to partake in the perfect and powerful transforming grace of God. The mandate of Divine Grace Gathering is to spread the life-transforming gospel of Jesus Christ. We are determined to go out into the nations, spreading the message of grace and humanity. We believe that God is raising up a generation that will deny their flesh and ungodliness in order to live righteously for the glory of God. Divine Grace Gathering is about raising generations transformed by grace, centered on Christ, and making the rays of God's grace be reflected in all their brilliance. Join us as we dive deep into the Word of God every Wednesday from 7 p.m. to 9 p.m. Every Friday, join us for prayer, intercession, and warfare from 7 p.m. to 9 p.m. Every first Friday of the month, we have a powerful prophetic cross night prayer from 10 p.m. And every Sunday, we have our praise and worship service from 2 to 4 p.m. You are blessed. Toute la gloire à Jésus. Alléluia. 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 Help me greet your neighbor at your left, at your right, and tell him, welcome in the presence of God. Veuillez saluer vos voisins à droite, à gauche, et dites-lui, dites-leur, bienvenue dans la présence de Dieu. Just before you sit, make sure. Today is the 29th. Aujourd'hui, nous sommes le 29. Make sure you give a 29th blessing to somebody. God bless you. Assurez-vous de donner 29 bénédictions à 29 personnes. Alléluia. Alléluia. May God bless you abundantly. Que Dieu vous bénisse abondamment. I thought I was blessing somebody. Je croyais que je bénissais quelqu'un. May God bless you abundantly. Que Dieu vous bénisse abondamment. We want to read the word of God. On aimerait lire ensemble la parole de Dieu. Who didn't receive my message this morning? Qui a reçu mon message ce matin? Who did not receive? Qui n'a pas reçu mon message ce matin? Ah, Papa France. Okay, he's from Gatineau. Il est de Gatineau. Some of us have traveled because it's summer, so we don't wanna. Il y en a qui ont voyagé parce que c'est l'été. Make summer finish without us traveling. On n'aimerait pas que laisser l'été se terminer sans voyager. So I didn't want anybody to miss the blessing. That's why I told you, even if you travel, make sure where you are, you can watch online. Je ne voulais pas que vous ratiez la bénédiction. There are certain blessings that you cannot miss. You can never miss. Il y a des bénédictions que vous ne pourrez jamais rater. Who received my message this morning? Qui a reçu mon message ce matin? I only saw some of you who sent me the prayer requests. Juste quelques personnes m'ont envoyé les demandes de prière. Because the Lord said to me that I need to spend this day, and I spent my morning in prayer praying for you, and I will spend the week just praying for you. Parce que le Seigneur voulait que je passe cette matinée en priant pour vous, et je vais passer la semaine également à prier pour vous. It's not compulsory, but I want to pray for you. Ce n'est pas obligatoire, mais j'aimerais prier pour vous. You'll send me your prayer request.
Si vous aimeriez que je prie pour vous, envoyez-moi vos demandes. Even if you're online, you can just write on Même the si page of Divine Grace Gathering. Écrivez juste sur la page de Divine Grace Gathering. We will pray for you. Nous allons prier pour vous. Sometimes it's good when you have people who are carrying your burden. C'est bon quand certaines personnes peuvent porter vos fardeaux. Alléluia. Alléluia. I want us to read the word of God. J'aimerais qu'on lise ensemble la parole de I'm going to give you three scriptures today. J'aimerais vous donner trois versets, trois passages aujourd'hui. Thank you for honoring the word of God. If you've got a neighbor that you want to read with from your Bible, you can read with him from your Bible. Si vous aimeriez lire avec votre voisin, lisez ensemble. If your neighbor doesn't have a Bible, you can tell him. Si votre voisin n'a pas de Bible, veuillez lui dire. To read with us on the screen. De lire avec nous à l'écran. Matthew chapter 7 verse 7. Matthieu 7, 7. Can we read 1, 2, 3? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Ask and it shall be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. I want you to turn to your neighbor. J'aimerais que vous tourniez vers votre voisin. Tell him, ask and it shall be given to you. Demandez, vous recevez. Oh, tell him well. Dites-lui bien, n'est-ce ask. Pas? Demandez. Shall be given to you. Okay, when I say tell your neighbor ask, don't tell him ask me because he's going to ask you for a car, a house, you won't be able to give it. Alors ne dites pas à votre voisin demande-moi parce que si vous lui dites ça, il va vous demander une voiture ou autre tell chose. Tell him ask and it shall be given to you, Yasmin. Dites-lui demandez et vous recevrez, cher voisin. Seek and you will find. Tell him again, seek and you will find. Cherche et tu trouveras. And the last one, la dernière partie, knock and it shall be opened to you. Frappe et l'on t'ouvrira. The second scripture. Le deuxième verset. I want to take it from the book of Acts of Apostles. Je vais le prendre du livre des Actes des Apôtres. Chapter 19. Chapitre 19. 13 to 16. De 13 à 16. The Bible says, la Bible then là, some of the itinerant Jewish exorcists took it upon themselves to call the name of the Lord Jesus over those who had evil spirits, saying, we exorcise you by the Jesus whom Paul preaches. Also, there were seven sons of Sceva, a Jewish chief priest who did so. And the evil spirit answered them and said, Jesus, I know, and Paul, I know, but who are you? Then the man in whom the evil spirit was leaped on them, overpowered them and prevailed against them, so that they fled out of that house naked and wounded. In the name of Jesus that Paul preaches. C'est dans le nom de Jésus que Paul prêchait. Praying in the name of Jesus, but without knowing the Jesus they're speaking about. Il priait dans le nom de Jésus, mais ne savait pas le nom dans lequel il priait. They didn't know the Jesus that they were praying. Ils ne connaissaient pas le Jésus qu'ils priaient. The last scripture I want us to read all of us louder. Le dernier passage que j'aimerais qu'on lise à haute voix. Matthew chapter 6. Matthieu 6. From 9 to 13. 9 à 13. Let us pray 1, 2, 3. In this manner, therefore, pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. You can Amen. Put your hands together for the Lord. Vous pouvez applaudir pour le Seigneur. Hallelujah. Thank Alleluia. You. Merci. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. This afternoon, I want to be more
a teacher. Cet après-midi, j'aimerais enseigner. I want to be more a teacher than a prophet or a pastor. J'aimerais être plus un enseignant qu'un prophète ou un pasteur. I want to start as a new series on prayer. J'aimerais démarrer une nouvelle série sur la prière. Let me ask you as we are in this congregation. Laissez-moi vous demander. Who does pray? Qui prie? Let us be honest. Amen. Soyons honnêtes. Who does pray? Qui parmi nous prie? That's good. C'est très bien. Oh, you don't pray? Oh, vous ne priez pas? Oh, okay. Who does pray? Qui prie? Can I ask you one question? Est-ce que je peux vous poser une question? What is prayer? Qu'est-ce que la prière? Randomly, you can answer. Juste au hasard, vous pouvez me répondre. Yes. Oui. Dialogue. Yes. Oui. Is the key to our answers. C'est la clé pour nos réponses. Sorry. Communication avec Dieu. To be in communication with God. Someone else? Quelqu'un d'autre? Yes. Oui. The way which is opened for us to communicate with God. C'est un chemin qu'on ouvre pour communiquer avec Dieu. Someone else? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Amen. Today is a Sunday, but I will do as I do in Bible study. That's how I do in Bible study. Aujourd'hui c'est dimanche, mais j'aimerais faire comme à l'étude yes, biblique. Yes, sister. Sorry. It gives us access to the supernatural. C'est l'accès au monde du surnaturel. Okay. Yes. Okay. Oh, Sister Cassie again. Sister Cassie encore. Prayer helps to heal all wounds. Prière aide à guérir toutes les blessures. This is Sister Cassie Morel. God bless you. C'est la sœur Cassie. Que Dieu vous bénisse. Somebody else. Quelqu'un d'autre? We all pray. Nous prions tous, n'est-ce pas? But I want us all of us to come to one agreement about prayer. Mais j'aimerais qu'on s'accorde tous ensemble sur la prière. I will give you definitions in Hebrew and in Greek. Je vais vous donner des définitions en hébreu et en grec. To make us understand. Pour nous faire comprendre. You know, sometimes mostly when I speak, I give Hebrew, I give Greek. I'm not trying to prove a point that I know a lot. Souvent quand je vous donne des mots en hébreu et en grec, je n'essaie pas de vous prouver quelque chose. It's just because the Bible. C'est parce que la Bible. The Old Testament was written in Hebrew. Dans la Bible, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. And the New Testament was written in Greek and Aramean. Et le Nouveau Testament a été écrit en grec et en araméen. So all the translations. Et donc toutes les traductions. Have come from the Hebrew version and the Greek version. La version en hébreu et la version en grec. And sometimes with our translations. Et souvent avec nos traductions. We get further and further from the true meaning of it. On s'éloigne un peu de la vraie signification des mots. Alléluia. Alléluia. I will give you the definition then. Je vais vous donner la définition. I will tell you what prayer is not and what prayer is. Et je vous dirai ce que la prière n'est pas et ce que la prière est. The word prayer in Hebrew. Le mot prière en hébreu. Is tepila. C'est tepila. I made sure that I write it on the screen for you. Je me suis assuré de mettre cela à l'écran pour vous. Can somebody say with me tepila? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi tepila? Okay, you can say tepila, but say tepila. Vous pouvez soit dire tepila ou tepila. Say with me tepila. Dites avec moi tepila. I want to explain to you four important things which are in the prayer. Et j'aimerais vous expliquer quatre éléments dans la prière. This word tepila is in Hebrew. Ce mot tepila en hébreu. When you read from the right to the left, quand vous lisez de la droite vers la gauche, you have this first letter. Vous avez cette première lettre. You start from the right. Vous commencez à droite. That letter is called Tav. Cette lettre c'est Tav. Tav. T-A-V. T-A-V. And the word Tav means cross. Et le mot Tav signifie la croix. To take one branch and another one. De prendre une branche et une autre. You make them meet in one point. Et de les faire se rencontrer en un Two endroit. Two become one. Deux branches deviennent une. That's why you can see. One branch comes this way, another branch comes that way, but it meets somewhere. C'est pourquoi vous voyez une branche qui vient d'un côté et l'autre de l'autre, et elles se rencontrent en un.
Somebody is with me? Est-ce que quelqu'un me suit? Oh. N'est-ce pas? It gives us. Ça nous donne. One of the important things that we find in prayer. Une des choses importantes qu'on trouve dans la prière. Because Hebrew. Parce que l'hébreu. When they write letters, letters are pictures. Parce que les lettres en hébreu the sont des images. The meaning of the words comes from the meaning of the different pictures in it. La signification des mots vient de la signification des images. That's why that word tav. C'est pourquoi ce mot tav. It means to take this one, this branch from one side and another branch to put them together. Ça veut dire prendre deux branches et les mettre ensemble. First of all. La première chose. Prayer is not about receiving blessings first. La prière c'est pas recevoir des bénédictions. Prayer is about communion. C'est une communion. Hallelujah. Hallelujah. I want to make a point. J'aimerais faire un point ici. Prayer. La prière. Is for us and God. C'est pour nous et Dieu. To be one. Une manière d'être un. Humanity. Humanité. To meet the divinity of God. Rencontre la divinité de and Dieu. And the two. Et les deux. To be one. Deviennent un. Hallelujah. Hallelujah. I want to remove. I know that when we say pray, we first of all say I need to pray to ask God to give me something. En général, quand on demande de prier, on demande à Dieu de nous donner quelque chose. We have a God who is omnipotent, omnipresent, omniscient. He knows our needs even before we ask him. Il sait déjà à l'avance ce qu'on va demander. So if he knows what we want, donc s'il sait déjà ce qu'on va why demander, does he want us to pray still? Pourquoi il veut quand même qu'on prie? Because prayer is not about asking first. Parce que la prière c'est prayer pas demander is about en premier. Building a relation c'est d'abord first. Construire une relation. Prayer is about becoming one, having communion, devenir un, être en communion with the divine. Avec le divin. Alléluia. 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 If I meet si je rencontre the one I love, une personne que j'aime. If Papa Roger meets Mama Nathalie. Si Papa Roger rencontre Maman Nathalie. He doesn't only come like honey. Il ne vient pas juste dire chérie. He says honey. Oui. And she says, yes, bee. Elle dit, oui, la, oui, abeille. I want money. Je veux l'argent. Annie. Oui, I want miel, you to cook for me. Miel, je veux que tu prépares pour moi. Annie. Oui, miel. And her too, she will go, oh, bee. Elle va dire, oui, abeille. I want you to go and get this for me. J'aimerais que tu ailles prendre ceci pour moi. Which type of relationship of a husband and wife? Quel type de relation? You only talk when it's about asking and needing things. Centré autour de ce qu'on a besoin. It's weird. C'est bizarre, n'est-ce pas? You see Sister Noella coming to church. Vous voyez la sœur Noella venir she's à l'église. She's one way there. Elle, her de husband de is another way there. Et son mari est de l'autre côté. Then she's like. Elle se dit. For her, she, not honey, sweetheart, because oui, people like only sweet things. Parce que les gens aiment juste les choses sucrées. Mm. Oh my word, the dad get. Me, I will be saying now sour things. Oh. Moi, je vais parler de choses acides maintenant. How are you, my garlic? Comment how tu vas, how are you, aille? My onion? Comment tu vas, oignon? Especially as I like eating mayonnaise and chili. Surtout parce que j'aime manger le piment et puis la mayonnaise. How are you, my chili? Comment vas-tu, mon piment? How are you, my mayo? Comment vas-tu, ma mayonnaise? You better not be there because you will be laughing. Moi, ce serait mieux que vous ne soyez pas là parce que vous allez rigoler. So Sister Noella comes. Alors la sœur Noella vient. She doesn't talk to her husband. Elle ne parle pas à son mari. It's only and I give the offerings. Give me the card. C'est juste au moment où de donner des offrandes. Donne-moi la voiture. He gives the card. La carte. Then the husband as well is like. Et le mari vient. When you go home, I want you to cook fish for me. Quand tu vas à la maison, prépare-moi. Which type of relationship is quel that? Quel genre de relation? Est-ce que c'est? You understand? Est-ce que vous comprenez? In the context of a husband and wife. Dans le contexte de marié et d'une femme. When they talk. Quand ils parlent. Talking is not only about asking. Parler c'est pas juste demander. Talking is not only about needing something. Parler c'est pas juste avoir besoin but de quelque chose. Talking between a husband and wife. Mais entre marié et une femme parler. Is about building a relationship. C'est construire une relation. So sometimes they can be talking about things which are not senseful, they're senseless. Alors ils peuvent souvent parler de tout et de rien. But they just talk. Mais ils parlent juste. Oh, honey, especially oh, women.
surtout avec les Annie, femmes. Did you see? Oh miel, est-ce que you tu as saw vu? That lady. Tu as vu cette femme? She was walking. Elle but marchait. It's as if one leg was going backward. Et c'est comme s'il y avait un pied qui reculait. Then you're like, what's the point? Là, c'est dire, mais c'est quoi le problème? I just wanted to tell you. Non, je voulais juste te dire. Right? N'est-ce pas? When your wife, quand votre femme, she puts all the makeup and everything. Elle vient maquiller. Then she's standing there. Et elle se met là. She's not only waiting for angels to come to say, oh, elle est féminine. Elle n'attend pas à ce que les anges viennent dire, ah, voilà la femme. No. No. She wants you to say something. Elle aimerait que vous disiez, que vous lui fassiez un compliment. People say, oh, I'm putting on my clothes. I'm not putting for people. I'm only putting for God. Oh, God will see clothes. Je m'habille juste pour Dieu. He sees, but we will see as well. So, oh. Dieu il voit, mais c'est nous qui devons dire, oh. I want to make you understand something. J'aimerais vous faire comprendre quelque chose. In the word prayer, dans le mot prière, number one, le numéro un, it is not about asking first. Ce n'est pas demander. It is not about needing first. Ce n'est pas en premier avoir besoin de it's quelque chose. It's about building a relationship c'est first. C'est d'abord construire une relation. The Bible speaking about God. La Bible parle de Dieu. When He created Adam, quand il a créé Adam, He put him in the Garden of Eden. Il l'a mis dans le jardin d'Éden. The Lord was coming every evening. Le Seigneur venait chaque Why soir. Why would He just come? Pourquoi il venait juste comme Because ça? He just wanted the relation. Parce qu'il voulait une relation. Even when Adam sinned, même quand Adam a péché, he went to hide. Il est allé se cacher. God was calling him, Adam, Adam, where Dieu are you? Dieu l'appelait, il dit, Adam, Adam, où est-ce que tu es? God is omnipresent. Dieu, il est omniprésent. He knew where he was. Il savait où est-ce qu'il était. But he couldn't find him any longer in his intimacy. Mais il ne pouvait plus le trouver dans son intimité. Even when Jesus was teaching, I will get there. Même quand Jésus, il est en train when de he was prêcher, saying, when you pray, il a dit, quand vous priez, go in the secret place. Va aller dans le lieu secret. A lot of people, in their houses, they were having a certain place which was, if I'm stressed, I just go and I sit there. Ah, si je suis stressé, je vais aller dans cet endroit. Some couples were using their bedrooms as the secret place where they can talk about things certains that they don't want children to hear. La chambre comme un lieu secret parce so que when pas que God tells dedans. You, when you pray, go in the secret place. Alors quand Dieu vous dit, allez dans le lieu secret, it doesn't necessarily mean you mustn't pray here. You must go and pray ça on in the corner. Ça ne veut pas dire que vous pouvez pas prier ici et que vous allez aller dans un coin. But God is inviting you in His intimacy. Mais Dieu vous invite dans son intimité. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. We pray. Nous prions. Because prayer, if we lack fish. Parce que si on est comme des poissons. Prayer is like water. La prière c'est comme l'eau. We can't live out of the water. On ne peut pas le poisson ne peut pas vivre hors de l'eau. If we lack trees. Si on est comme des arbres. Prayer is like the sap. La prière c'est comme la sève. For your Christian life to be in relationship with God, pour que votre vie chrétienne soit en relation, you are in relation with the divine through prayer. Vous êtes en relation avec la divinité à travers la prière. Alléluia. Alléluia. Why am I saying this? Pourquoi je dis ces choses? Because God's heart cries for this generation. Parce que le cœur de Dieu pleure après cette génération. God says. Le Seigneur dit, I showed them what my hands can give. Je leur ai montré ce que ma main peut donner. Because I wanted to draw them to my heart. Parce que je voudrais les conduire vers mon cœur. But people remain focused on what my hands can give, but they don't try to know the giver himself. Mais les gens se focalisent sur ce que la main peut donner, mais ne se focalisent pas sur celui qui donne. People are focused on what my hands can do, but they don't build the relation with the doer of everything. Sur ce que je peux donner, mais ils ne se focalisent pas sur celui qui fait tout. The motives of our prayers can show it. Les motivations de nos prières le démontrent. When everything is all right in your life, quand tout va bien dans votre vie, you don't even pray. Vous ne priez même but pas. But when your life is messed around, mais quand il y a du désordre, then you're like, hey, I need prayer now. Liria baba, here baby. Why do you pray only when you are in lack? Pourquoi vous priez seulement quand vous avez besoin de quelque chose? Prayer. La prière. Is about building a relationship. C'est d'abord construire une relation. Tell your neighbor. Dites à votre voisin. Prayer la prière is about relationship. C'est d'abord une relation. Oh, but can you tell him well? Est-ce que vous pouvez bien lui dire? Prayer la prière is about relationship. C'est d'abord une relation.
even the answer to the prayer, même la réponse à la prière, it depends on the relationship with the Lord you are praying. Dépend de la relation que vous avez avec le Dieu que vous priez. Bring me back the word. I want to just give the definition. Voyez, affichez encore la parole. J'aimerais vous donner la définition. I've spoken to you about the first letter, right? Je vous ai parlé de la dernière lettre, about de la première lettre, n'est-ce pas? Tav. Tav. The second letter. La deuxième lettre. That you see from right to left. Que vous voyez de la droite vers la gauche. It's like E, which is reversed. C'est comme un E renversé. It is called P-T-P-L-A. P. C'est comme P-T-P-L-A. P means a mouth which is opened. P signifie une bouche ouverte. A mouth which is open and which is declaring. Une bouche ouverte qui déclare. Secondly, la deuxième chose, prayer, la prière, is not only about things we think about. Ce n'est pas seulement les choses auxquelles on pense. But prayer, mais la prière, is about everything that we declare and speak in the presence of God. C'est tout ce que nous déclarons dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. The third letter, la troisième lettre, it's called lamed. Ça, c'est lamed. It comes like this and then it goes down. Lamed means a rod. Ça signifie un bâton. To show the direction. Pour montrer la direction. After you care about the relationship, après avoir bâti la relation, after you declare words to the one you're in relationship with, après avoir déclaré les mots à la personne avec qui vous êtes en relation, then you can receive direction from him. Alors vous pouvez recevoir la direction de cette personne. Prayer, la prière, is the dialogue where we build the relationship with God. C'est un dialogue où on bâtit une relation avec Dieu. Where we say who God is for us. Où on dit qui Dieu est pour nous. And where God gives us direction for life. Et où Dieu nous donne la direction. Is there anybody needing direction for his destiny? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de direction pour sa destinée? Pray. Priez. Is there anybody who wants God to be like the shepherd who will continue showing him the way every time? Est-ce que quelqu'un veut que Dieu soit son berger qui lui montre la direction? Pray. Priez. And then the last word. Et la dernière lettre. It's like N. C'est comme un N. It's He. C'est He. It is called favor. Ça s'appelle faveur. The window of favor. La fenêtre de la faveur. Prayer. La prière. Is the key. La clé, which opens the windows of heaven, qui ouvre les écluses des cieux, to shower you with favor, pour vous bénir de bénédiction. It is showering you with favor. Vous avez une plénitude de bénédiction. To shower, une douche de bénédiction. Yeah, une pluie de bénédiction. You understand? Vous comprenez? So in prayer you have four important things. Vous avez quatre éléments importants. In the Hebrew words, tefila. Dans le mot hébreu, first tefila, of all. Premier, to build the relation. C'est bâtir une relation. Secondly, le deuxième to élément. Speak, to dialogue. C'est dialoguer, parler. To say who he is for you. Dire qui il est pour vous. And what you wish from him. Et ce que vous voulez. Third, la troisième chose. To seek direction. C'est de chercher des directions. And fourth, et la quatrième chose. To open the windows of favor. C'est ouvrir les fenêtres de la faveur. This I'm just giving you the definition in Hebrew. Je vous donne juste la définition en hébreu. This means. Cela signifie. Prayer. La prière. Is the channel. C'est le canal. Through which we build our relationship with God. Par lequel nous bâtissons notre relation. Prayer is the channel through which we say the things that we want God to hear. C'est le canal par lequel nous disons au Seigneur ce que prayer vous voulez qu'il entende. Is the channel through which we receive God's direction for our lives. Le canal par lequel nous recevons les directions de Dieu sur and notre vie. Prayer is the channel through which we open the windows of favor over our lives. Nous ouvrons les fenêtres de la faveur sur nos vies. Alléluia. Alléluia. You don't like this, eh? Vous n'aimez pas. You want me to change? Alléluia. Quand on crie Alléluia. Receive your blessing. Recevez vos bénédictions. Dites-moi Amen. Say Amen. Vous recevez la bénédiction, non? Are you receive your blessing. Recevez vos bénédictions. But pray too. Mais priez également. When you go to work. Quand vous allez au travail. You work for your salary. Vous travaillez pour avoir un salaire. But when you pray, mais quand vous priez, it's not you working. Ce n'est pas que vous êtes en train de travailler. You allow God to work for you. Vous permettez à Dieu de travailler pour vous.
And the same word prayer. Et le même mot prière. We find it in a Greek word. En grec. Which is called proseuke. C'est proseuke. And the word proseuke. Et le mot proseuke. Pros means to come near. Pros signifie venir près de. To come closer. Venir plus près. So the mind of building a relation remains. Alors l'esprit de bâtir une relation est le même. You cannot pray. You cannot say you pray. Vous pouvez pas dire que vous priez. If the intention of your prayer is not to draw near to God. Si l'intention n'est pas de se rapprocher de Dieu. Vous êtes fâché? Are you mad? Donnez-moi un grand amen. Give me a big amen. The person who says I am praying. La personne qui dit qu'elle prie. It means I'm taking a moment where I want to draw my life closer to God. Elle est en train de dire je prends un moment pour me rapprocher de Dieu. And seuke, which comes from seukomai, eukomai, sorry, it means et to speak. Et seuke qui vient de eukomai signifie parler. To speak or to present a request. Parler ou présenter une requête. To make a wish. Faire un vœu. So first of all, donc la premièrement, to draw near, se rapprocher. And second, deuxièmement, to speak. Parler. Alléluia. Alléluia. Help me tell your neighbor at your left and your right. Dites à votre voisin de droite et votre voisin de gauche. Be a prayerful person. Soyez une personne de prière. Can you hold his hand? Est-ce que vous pouvez tenir sa main? Shake him a little bit. Secouez un peu sa main. Tell him be a prayerful person. Dites-lui sois un homme, une femme de prière. Oh, tell him again. Amen. Be a prayerful person. Dites-lui encore sois une personne de prière. Divine grace, let us be a prayerful church. Divine grace, soyons une église qui prie. If you see the word itself, si vous voyez le mot, it is giving you even the meaning of prayer. Ça vous donne prayer is not about asking to God first. La prière, c'est pas prayer de is demander about à Dieu. Building a relation mais first. C'est premièrement construire une relation avec this Dieu. Is why when Jesus was teaching his disciples to pray, pourquoi quand to pray, Jésus enseignait à ses disciples de prier, in Matthew chapter 6, dans Matthieu 6, verse 9, verset 9, when he's teaching them to pray, quand il leur enseigne he comment said, prier, when you pray, il dit quand vous priez, say our dites oh, notre, say our, notre, who is God for you? Qui est Dieu pour vous? Oh, let me ask you, who is God for you? Laissez-moi vous demander, qui est Dieu pour vous? I know you will tell me my everything. Je sais que vous allez me dire, il est mon tout. Our Father. Notre Père. Papa Paulin told me something. Papa Paulin m'a dit quelque chose. Pastor. Pasteur. Let me introduce to you my sons. Laisse-moi te présenter mes fils. And I told him. Et je lui ai dit. Oh, you've got handsome sons, eh? Oh, vous avez déjà de très beaux fils. And they just fils, look hein? Like you. Et ils te ressemblent. You can even see they look like their father. Vous pouvez le voir, ils ressemblent à leur père. When Ricky stands up. Quand Ricky se lève. You don't need to look for anybody else. You, when you see Papa Richard and Mama Lydia, you say. Wouh! It's like a copy, ooh. Copy paste. C'est comme si on avait fait un copier-coller. Right? N'est-ce pas? Oh, you think I'm lying? Papa, pensez que je mens. Papa, can you stand up a little bit? Papa Charles, veuillez vous lever s'il vous plaît. Ricky, can you stand up a little bit? Ricky, est-ce que tu peux te lever s'il vous plaît? Can you see that it's copy paste? Est-ce que vous voyez que c'est un copier-coller? So his original version. Ça c'est la version originale à droite. Is in version of fast food. Et à gauche vous avez la version fast food. But because he's a son, mais parce que c'est son fils, he has the DNA, il a l'ADN of the father, de son père. The one who calls God the father, ceux qui appellent Dieu he leur père, has the DNA of the one he calls father, ont l'ADN de celui qu'ils appellent leur père. It means, cela signifie, before you start praying, avant que vous ne commencez à prier, know your identity connaissez and the identity of the person you are praying et to. L'identité de la personne when you are coming in church, hallelujah, my life must change. Back to sender. I heard somebody praying. J'ai entendu all chose, my enemies, tous mes ennemis, fire on the throat. Le feu sur leur gorge. I said, how are they gonna speak? Et je leur dis, mais they mustn't speak about my life anymore. Ils ne doivent plus parler de that's ma vie. Why I'm sending fire on the throat. C'est pourquoi j'envoie le feu sur leur gorge. But before God answers your prayer, avant que Dieu ne réponde à vos prières, he's asking you, il vous demande, who qui are you? Qui es-tu?
I know that you don't like these teachings, but je sais it's que vous n'aimez pas cet enseignement, mais je vais le dire. Who are you? Qui es-tu? When you are lifting your hands, quand vous élevez vos mains, à jamais tu seras. You know that people can cry in the voice without crying with the tears. Vous savez, les gens peuvent pleurer dans leur voix sans que les larmes coulent. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. No, hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. One brother was praying. Oh, Jesus. Un frère disait, oh, in South Africa, I was calling and saying, my brother, disait, mon frère, every time you want to start praying, chaque do, fois you, que tu veux commencer à do you eat some chilies? Est-ce que tu manges du piment? What, because you go, est-ce que tu... hallelujah. Oh, hallelujah. But before God answers you, mais avant que Dieu when he looks at you, quand il vous regarde, he doesn't see first what you say to him. Il ne regarde pas d'abord but ce he sees vous first dites. Who you are to him. Il voit d'abord, mais this qui is why vous. Jesus is teaching them. C'est pourquoi Jésus before you pray, say, our Father, notre Père, are you a son of God? Est-ce que vous êtes un enfant de are Dieu? You a daughter of God? Vous êtes une fille de if Dieu? You are a son of God, vous êtes un fils if you de are Dieu? A daughter of God, si you must de manifest Dieu? The DNA. Vous devez avoir l'ADN. Which DNA have you got? Quel ADN avez-vous? Hallelujah. 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 Quelqu'un allait à une croisade. Someone went to a crusade. Ça m'a fait très mal. And le prophète really Jograss nous a raconté cette histoire. Prophet Jograss told us this story. L'évangéliste Reinhard Bonnke qui est en train de faire une croisade. The evangelist Reinhard Bonnke was really just doing des a crusade. Des miracles se produisaient. Miracles were happening. Quelqu'un on l'a mené sur la chaise roulante. And they brought someone in a wheelchair. Alors on l'entend, il parle. So he was speaking. Il dit, moi je suis en train d'aller à cette croisade là. He said, I myself, I'm going to this crusade. Faut que je reçoive ma guérison. I need to receive my healing. Et puis il y avait des belles filles qui passaient là. And there are very beautiful women. Il y a des gens qui peut-être quand vous regardez c'est comme s'ils mettent la lotion, mais il y a d'autres c'est comme si ces gens-là ils some mettent people, du lait. They look like you know they put some lotion, but others they look like they put some milk over the skin. Et c'était en train de passer. So they were just passing by. Cet homme-là. This man. Dans sa chaise roulante. In his wheelchair. En train de dire. He was saying. En tout cas quand je vais là-bas à la croisade, je reçois mon miracle. When I go to this crusade and I receive toutes les filles miracle, ici. All these women. Elles vont sentir de quel bois je me chauffe. They will know who I am. Toutes les boîtes de nuit de Kinshasa sauront qui je suis. All of the nightclubs in Kinshasa will know who I am. Il part chercher un miracle. So he was going after his miracle. Mais avec un motif. But with which motivation? Loin. He was far. D'être celui que Dieu voulait accorder le miracle. From being the one that God wanted him to be. Retenez bien, Église de Dieu. Listen toutes to les me. Fois que Dieu tend sa main. Every time God extends his hand. C'est parce qu'il veut vous diriger vers son cœur. It's because he wants to lead you to his heart. Beaucoup de gens, ils se limitent à ce que la main de Dieu peut donner. They limit themselves to what God can give. Sans bâtir la relation avec le Dieu qui donne. Without building a relationship to the même the Jacob, God gives. Even Jacob. Ça lui était arrivé. It happened to him. Quand il partait, il s'est endormi en un endroit. Il a eu une vision, les anges montaient et descendent. Quand il est mort, il s'est réveillé. Il a dit, cet endroit est redoutable. C'est la maison de Dieu. Bethel. Mais quand il part chez Laban, après qu'il soit revenu, après que l'ange l'ait frappé, après que son nom ait changé, il est parti faire une offrande à Bethel. Il n'a plus appelé ce monument la Bethel. Mais il a appelé El Bethel. El Bethel. Il dit le Dieu de la maison de Dieu. Of the house of God. Cette fois-là, ce n'est pas seulement la maison de Dieu qui l'occupait, mais il était plus motivé par le Dieu de la maison. But he was motivated by the God of the house. Que cherches-tu dans la maison de Dieu? What are you looking for in the house of God? Les miracles? The miracles? Le mariage? Marriage? Le travail? Work, l'argent, money, mais Dieu te dit, but God is telling you, je veux m'occuper premièrement de toi. I want to take care of you je first. M'inquiète d'abord de ta personne. I worry about you quand first. Tu viens dans ma présence, when you come in my presence, je veux que tu bâtisses d'abord la relation I avec first moi. Want you to build a relationship with me. Amen. Nous avions lu ça dans Actes des Apôtres. We read in Acts of the Apostles. Chapter 19. Chapitre 19. The Bible speaks about the sons of Sceva. La Bible parle des fils de Sceva. Their father was a priest. Leur père était un prêtre.
But the children, mais les enfants, they were far from God. Ils étaient loin de Dieu. They were not in relationship with God. Ils n'avaient pas de relation avec Dieu. They saw Paul healing people. Ils avaient vu Paul en train de guérir des gens. They saw Peter healing people. Pierre en train de guérir des gens. Some verses above, et quelques versets they plus will tôt, even tell you that the apostle, ils disaient même que they could even take a handkerchief, ils prenaient leur serviette, even a cloth. Même leur they put it on a person who is sick. Et ils mettaient ça sur des and gens the person qui étaient gets healed. Et la personne était guérie. So the sons of Sceva thought. Alors les fils de Sceva ils se sont dit. Oh, it's a formula. Oh, c'est une formule. If I just come. Si je viens juste. In the name of Jesus, le nom Paul de Jésus, preaches. Je chasse. The Bible says. Yeah, the Bible says. Listen. So that even handkerchief or aprons were brought to the body to. From his body to the sick, and the diseases left them, and the evil spirits went out of them. Alors ils ont pris leur serviette et ils l'ont appliqué sur des gens et les esprits mauvais sont partis. A prayerful person, une personne qui prie, even his handkerchief, même sa serviette, has got power, a de la puissance. Even his clothes, même ses vêtements, have got power, ont de la puissance. That's why that woman was losing blood. C'est pourquoi cette femme a la perte de sang. She did not touch Jesus on the end. Elle n'a pas touché Dieu à la main. She touched Jesus' garment. Elle a touché le vêtement de Jésus. But Jesus would say, I feel power going out. Mais Jésus a dit, je sens une puissance. Why did she touch? Pourquoi elle l'a touché? Garment. Elle a touché le but vêtement. The garment was carrying power. Et son vêtement avait de la puissance. Elisha received the double portion of Elijah just in taking the mantle of Elijah. Élisée a reçu la double puissance de Élie juste en mettant son manteau. A prayerful person. Un homme de prière. He carries a heavy load of God's glory. A une puissance, il a la puissance de Dieu en lui. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia, divine grace. Alléluia, divine grace. So the sons of Sceva, when they saw that, alors les fils de Sceva, ils ont vu cela. They said, oh. Ils ont dit, oh. It is easy. C'est facile. We can just say the formula. On peut juste dire la formule. In the name of Jesus, dans le nom de Jésus, that Paul preaches, que Paul prêche. The Bible says, la Bible déclare, the possessed men, les hommes possédés, he told them, il leur a dit, Jesus, Jésus, we know him, on le connaît. Paul, we know him, on le connaît. But you, mais vous, who are you? Qui êtes-vous? Amen. The demons, les démons. In that man manifested, and the possessed man said, et l'homme possédé a dit, Jesus, Jésus, we know him, nous le connaissons. Paul, we know him, nous le connaissons. But you, mais vous, who are you? Qui êtes-vous? Please look at me, church. Veuillez me regarder, église. Yeux dans yeux. Les yeux, eye to eye. Chez nous, on disait zavi-na-zavi, vis-à-vis. Vis-à-vis. Regardez-moi bien, fixez-moi bien. Look at me in the eyes. S'il vous plaît. Please. Qui êtes-vous? Who are you? Vous pouvez me poser la question. Hein? I'm asking you the question. Tournez-vous maintenant vers votre voisin. So turn to your neighbor. Regardez-le très bien. Look at him very well. Yeux dans yeux. Eye to eye. Posez-lui bien la question. Ask him the question very well. Si vous sentez que vous n'allez pas bien poser, rincez un peu la gorge. If you feel like you're not asking the question well, clear your posez-lui voice. La question. Ask him the question. Quand vous criez là. When you're shouting. Posez-lui la question. Ask him the question. Quand vous criez là. Jésus! Jésus, Jésus. Qui êtes-vous? Who are you? People watching us online. Pour les personnes qui nous regardent. Maybe you are writing amen. Peut-être que vous êtes en train de who are you? Mais qui êtes-vous? Oh, I feel fire. I see the angels all around in this place. Je vois les anges dans cet endroit. God is asking you a question simple. Dieu what is your identity? Who quelle est votre identité? You. Qui êtes-vous? That is the starting point for prayer. C'est le point de départ de la prière. You want your prayer to receive the answer from God. Vous voulez avoir la réponse à vos prières. Align your identity. Connaissez votre identité. When you pray, quand vous priez, number one, numéro un, recognize the identity of the one you are addressing to. Reconnaissez l'identité de la personne à qui and vous your parlez. Identity with him. Et votre identité en lui.
Oh. Father, I knew that this is heavy. Père, je sais que ceci est très lourd. But you told me to say it. Mais tu m'as dit de le dire. And I'm saying it with boldness. Et je le dis avec zèle. A lot of people. Plusieurs personnes. Are speakers. Parlent beaucoup. But their spiritual identity. Mais leur identité spirituelle. They are not known of God. N'est pas connue de Dieu. Those people are not known of God. Ces personnes ne sont pas connues par Dieu. Matthew chapter 7 verse 21. Matthieu 7 21. This scripture makes me cry every time. Ce verset me fait pleurer. Jesus says. Jésus a dit. It is not all those who say Lord, Lord. Not everyone who Seigneur, says to Seigneur, me, Lord, Seigneur, Lord, shall inherit the kingdom of heaven. Ils vont hériter du royaume des cieux. But he who does the will of my Father in heaven. Celui qui fait la volonté de son de notre Père. Continue, please. Veuillez continuer, s'il vous plaît. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your plusieurs name? Plusieurs me diront, est-ce que Seigneur, Seigneur, est-ce que nous avons pas prophétisé the name. Ils ont utilisé le nom. Using the name. Ils utilisaient le nom. Cast out demons. Est-ce que vous avez pas in your name. Chassé des démons dans ton nom. And done many wonders in your name. Et plusieurs merveilles en ton nom. Then I will declare to them, I never knew you. Mais je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Depart from me, you who practice lawlessness. Partez, éloignez-vous de moi. Éloignez-vous de moi, homme sans loi. Jesus said, I don't know you. Jésus leur a dit, je ne vous connais pas. Lord, Seigneur, I refuse to preach. Je refuse de prêcher. I refuse to prophesy. Je refuse de prophétiser. I refuse to have fame. Je refuse d'être célèbre. That day you will tell me that you have never known me. Pour que ce jour tu me dises que tu ne m'as jamais connu. No. No. And when Jesus said, I don't know you. Et quand Jésus dit je ne t'ai pas connu. You know that word to know. Vous savez ce mot connaître? In Greek. En grec. Ginosko. Ginosko. Is the word to know as what we say about a man and a woman, a husband and a wife. Comme un mari et une femme. As the Bible says, Adam knew his wife Eve and she became pregnant. It involves intimacy. Adam et Eve se sont connus et ils ont Jesus is talking c'est, here about relation. Jésus people were relation. Talking about service they were doing. Les gens parlaient du service qu'ils rendaient au Seigneur. But Jesus was not talking about service that they were doing for Mais Jésus him. Ne parlait pas de service qu'il lui rendait. Jesus was talking about relation. Jésus parlait de relation. Are you intimate with God? Est-ce que vous êtes en intimité avec Dieu? What is your relationship with God? Quelle est votre relation avec Dieu? Prophète, localise tous les démons de ma vie. Prophet, localize all the demons in my life. Je ne suis pas ton GPS spirituel. I'm not your spiritual GPS. Oh oh. Amen. Utilise-moi ton GPS. Am I your GPS? Localise, prophète. Find me, prophet. Je localise quand Dieu me dit de localiser. I localize when God Mais tells là, me le GPS avec exactitude dit. Relation avec Dieu, repart. But here the GPS is saying relationship with God first. C'est la prophétie que je te donne aujourd'hui. That's the prophecy. Où en es-tu avec Dieu? When I'm with God. Où en es-tu avec Dieu? Where are you with God? Seigneur, si tu pouvais seulement mettre un grand écran ici et puis tu prends nos cœurs là. God, if you could just put our hearts on the big screen. Est-ce que nos cœurs vont refléter la même beauté de nos make-up? Will our hearts reflect the beauty of our make-up? Alléluia. Alléluia. Bonjour prophète. Good morning prophet. Bien calculé, Suisse. Mais cœur la même. But the heart. Où en es-tu avec ta relation avec Dieu? Where are you in your relationship with God? Ta prière ne produit pas des effets. Your prayer is not being answered. Parce que ta relation a un problème. Because your relationship is hurt. Tu veux recevoir l'exaucement à ta prière? Do you want the answer to your Fixe prayer? Fixe d'abord sur le terrain de la relation. Take care of the relationship first. Dans le passage de Actes 19, in Acts 19, Dieu nous fait comprendre que ce n'est pas en utilisant le nom de Jésus comme une formule qu'on devient sien. Même les démons disent Jésus, on le connaît. Paul, on le connaît. Mais vous, qui êtes-vous? Même le passage qu'on a lu, even the scripture that we read, Matthieu 7, 7. Matthew 7, 7. Demandez. Ask. Répondez-moi. Answer. Répondez, demandez. Ask.
Demandez. Ask. Même quelqu'un qui demande. Even someone that asks. Il sait à qui il demande. He knows who he's asking to. Right? Tu ne peux pas demander dans le vide. You cannot just ask. Tu demandes. Ask. Tu demandes à qui? Who are you asking to? Première question. First question. Qui est celui à qui tu demandes? Who are the person? Est-ce que tu le connais? Do you know him? Ce passage fait ressortir cela. This passage. Quand tu dis, like oh, that. Demandez, on vous donnera. Tu when demandes. You say, oh, ask and it will be given to you. L'explication derrière veut dire demande, mais demande à qui? Ask, il faut connaître à to? Qui demander. Know who you are asking. Cherchez, to. Vous trouverez. Seek and you will find. Cherchez. Seek. Quoi? What? Même quelqu'un qui cherche. Even someone that is il doit quand même savoir ce qu'il cherche. He must know what he's seeking, right? Oh, je suis en train de chercher quelque chose. Quoi? Oh, I'm looking for something. Je what ne sais are you pas. Looking for? Ah. I don't know. Oh. Quelqu'un ne peut pas chercher s'il ne sait pas ce qu'il cherche. Someone cannot seek without knowing what he's seeking. You are seeking, but you don't know what you're seeking. Vous cherchez, mais vous ne savez pas ce que vous cherchez. If you've got somebody like that in your house. Si vous avez quelqu'un comme ça dans votre maison. Amenez-le à l'hôpital psychiatrique. Take him to the psychiatric hospital. Yes, amen. I couldn't pronounce it well. Psychiatric. Amen. Quand la Bible dit frappez, on vous ouvrira. When the Bible says knock and it will be open to you. Frappez où? Why are you knocking? À quelle porte? To which door? Si j'ai besoin de recevoir quelque chose chez le président Obama ou président Trump. If I need something from Trump. Mais je vais le chercher à Dallas. And I go to Dallas. Oh, je cherche le bureau de Trump. De oh, I'm looking Trump. For Trump's office. On va me dire wrong direction. They'll tell you. Regardez. Direction. Look. Même si je roule à 100 à l'heure. Even if I'm driving 100 kilometers an hour. Si la direction où je devais aller c'est là. If the direction mais is moi this je roule way, dans l'autre direction. And I'm going the other way, même si je roule, je dépasse les embouteillages. Even if I'm driving and je I n'avance traffic, pas, je recule. I'm not moving forward, parce que je vais I'm dans la mauvaise direction. Because I'm going in the wrong direction. Quand tu pries, when you're praying, à qui est-ce que tu demandes? Who are you asking to? Tu lui demandes quoi? What are you asking? Et tu frappes où? And why are you knocking? Où? Qui? What? Quoi? Where? Où? Who are you asking to? À qui demandez-vous? What are you seeking? Qu'est-ce que vous cherchez? Where do you go to knock? Et où frappez-vous? Without knowing the identity of the person that you are talking to, sans savoir l'identité de la personne à you qui miss vous parlez, the whole point. Vous ratez le but. Voilà pourquoi en ce jour, that's why on this day, le premier point de la prière, the first point of prayer, connaissez le Dieu que vous priez. Know the God that you are praying to. Bâtissez la relation avec le Dieu que vous priez. Build a relationship with the God that you are praying to. La prière. Prayer. Il ne s'agit pas d'abord de demander. It's not about asking first. Il s'agit d'abord de bâtir la relation. It's first about building relationship. Et quand vous vous approchez de lui. And as you are coming closer vous lui to dites him, notre Père qui est aux cieux. You said our Father who art in heaven. Notre Père. Our Father. Nous sommes tes enfants. We are your children. Nous avons ton ADN. We have your DNA. Nous avons ton identité. We have your identity. N'est qualifié pour l'exaucement à la prière. What is not qualified non, for? Celui qui est qualifié pour recevoir l'exaucement à la the prière. The one who is qualified to receive the answer to the prayer. C'est seulement celui qui connaît la personne à qui il prie. Is the only one that knows who he's praying to. I'm closing amen. My message here. Je termine mon message ici. I know that I didn't want to. You wanted me to teach you about. Je sais que vous auriez voulu que je vous enseigne sur. Prière d'autorité, warfare. Prayer of oh, fire. Combat, oh, feu. I delete. Je supprime. Father. Père. I'm deleting just as I delete on the memory card. Let out, oh. Je supprime comme si je supprime sur une carte mémoire. Oh. Je déracine. Je catapulte. Je bombarde. I destroy. I bombard. J'écrase. I crush. Je vous parlerai même de quand Jésus disait I will even speak to you about when les Jesus pharisiens, was saying, Pharisees, ils prient dans des coins de rue they pray in public places pour être vus. To be seen. Quand je vous parlerai des objectifs de la prière. When I will talk to you about the objectives of prayer. Certains cherchent les gros mots du dictionnaire. Some people are looking for the big words in the dictionary pour impressionner. To impress others.
Seigneur Jésus. Lord God. Jésus. Jésus. Translate. Jesus. Jésus. Jésus. Je bénis ton saint nom, qui a un grand renom. Au-dessus de tout nom, même quand les hommes disent non. Even when people are saying no. En toi, Seigneur, j'ai l'allégresse qui me donne sans cesse la liesse. Seigneur, ma vie est dans son soir que tu peux remplir de gloire. My life is a place of perfume that you can fill with your glory. Le soir. Like the night. Ma vie est dans le soir. My life is in the Mais dark. Mais toi, tu peux me révéler la gloire. But you can reveal your glory. Pour que je puisse apercevoir. So I can see. Tout ce que je n'ai pas pu voir. Why are you impressing? I wasn't able to see. Comme ce frère là. Just like this brother. Cherchait la sœur Janine. He was looking for her sister Janine. Quand il voit elle n'est pas dans l'assemblée. And when he saw her in the ce jour-là, assembly, vous allez commencer à prier. Vous priez, vous priez. This time he starts praying and praying. Quand sœur Janine. Oh hallelujah, runda maya mama. Why do you pray? Pourquoi priez-vous? Today I bless you with one truth. Aujourd'hui, j'aimerais vous bénir avec une vérité. Prayer. La prière. It's not about asking to God first. Ce n'est pas demander à Dieu en premier. It's about building the relationship. C'est d'abord bâtir une relation. It's like a husband and wife. C'est comme un mari et une femme. I want to talk to you. Oh, j'aimerais te parler. Why? Pourquoi? I miss you so much. Oh, tu me manques tellement. I just wanted to talk to you. J'aimerais juste te parler. I just wanted to see you. Je veux juste te voir. But you see my face. Mais tu vois yeah, mon visage. Oui. But I'm not full yet. I just want to be there. Je suis pas encore rempli. Je veux juste si te voir. Si vous comprenez la prière comme un amoureux de Dieu, je veux juste rester pray, dans la présence de mon amoureux, lui dire combien il est grand, love. Combien just il est bon pour moi. Même quand je demande les requêtes, even when I'm asking things. Je demande comme si je suis en train de demander à mon amoureux. On est dans un élan d'intimité dans notre lieu secret. We need intimacy in our secret place. Faut pas venir chez Dieu comme si Dieu était un oncle éloigné. Why oh Seigneur, like, je prie, localise-le là-bas. I'm praying God, en Europe, là en France, que le feu tombe là, Tour Eiffel. Ah. May the fire fall in him in France. GPS only seulement pour tuer. Is the GPS just to kill? But God is telling you. Mais le Seigneur vous dit. Let your prayer. Que votre prière. Be motivated first. Soit motivé en premier. By building the relation with God. Par une relation avec Dieu. Then by asking things to God. Et en demandant des choses à Dieu. May God bless His que word. Dieu vous bénisse. Hallelujah. Hallelujah. We give praise to the Almighty God. Nous donnons toute la louange au Dieu Tout-Puissant. For this knowledge that He just poured in this place. Pour cette connaissance qu'il vient de déposer dans nos cœurs. Pastor, God bless you. Pasteur, que Dieu vous bénisse. We are blessed in this church. Nous sommes bénis dans cette église. Because of the truth that is here. À cause de la vérité que nous entendons ici. And so we thank God for that. Et nous remercions le Seigneur pour tout cela. So we are at the end of the service. Nous sommes déjà à la fin du service. We're just gonna stand to close this time. On va tous se lever pour terminer. Hallelujah. Hallelujah. Father Lord, we thank you. Père, nous te remercions. We ask God as you gave us this word today. Nous demandons Seigneur alors que tu nous donnes cette parole aujourd'hui. Teach us to pray the right way. Enseigne-nous comment prier. Teach us to know who you are. Enseigne-nous comment à te connaître. Teach us to discover who you are for us. Enseigne-nous comment savoir qui tu es pour nous. To know our identity. Connaître notre identité. Before we even start praying. Avant même de commencer à prier. Teach us to pray with the right motives, Lord. Enseigne-nous à prier avec les bons motifs. Holy Spirit, we ask. Saint-Esprit, nous demandons. That you make us able. Que tu nous rendes capables. To pray prayers that are pleasing to God. De prier des prières qui vont plaire au Seigneur. Prayers that help us
build our relationship with God. Les prières qui vont nous aider à bâtir une relation avec Dieu. Prayers that do not focus on what is in the hands of God first. Des prières qui ne sont pas focalisées sur les choses qui sont dans les mains de Dieu d'abord. Help us, Holy Spirit. Aide-nous, Saint-Esprit. We know that we can do all things through you. Nous savons que nous pouvons faire tout par toi. We pray that you bless the father of this church. Nous prions pour que tu bénisses le père de cette église. We pray that you renew him and his anointing. Nous prions pour que tu le renouvelles et que tu renouvelles son onction. We pray that you increase him and his anointing. Nous prions pour que tu augmentes son onction. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Lord, we pray that you will go with us. Père, nous prions pour que tu ailles avec nous. As we've started this new week, Lord. Alors que nous commençons cette nouvelle semaine. We pray that only good news will go before us. Nous prions pour que les bonnes nouvelles nous précèdent. We pray that this week will be filled with good news. Nous prions pour que cette semaine soit remplie de bonnes nouvelles. In every aspect of our life, dans chaque Lord. Aspect de notre vie. Every plan of the enemy against this week for us. Tous les plans de l'ennemi contre nous dans cette semaine. We destroy it in the name of Jesus. Nous les détruisons dans le nom de Jésus. We declare that we are blessed. Nous déclarons que nous sommes bénis. We declare that we will not be put to shame in this week. Nous déclarons que on ne va pas nous faire honte cette semaine. We pray and we declare that God, we are filled with your spirit and your joy. Nous prions et déclarons que nous sommes remplis de ton esprit et de ta joie. And we also pray that the word that we heard in this place today. Nous prions pour que la parole que nous avons entendue ici aujourd'hui will be put into practice. Soit mise en pratique. By the help of your Holy Spirit. Avec l'aide de ton Esprit Saint. Let us all be blessed. Soyons tous bénis. And go in peace. Et allons dans la paix. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. We have prayed. Nous avons prié. And we all say amen. Et nous disons tous amen. God bless you. Dieu vous bénisse. And I'm going to ask the newcomers, et j'aimerais our visitors, aux visiteurs, to please follow our ushers in the back. Veuillez suivre le protocole. They're going to take you to a room. Ils vont vous amener dans une where salle. You're going to learn a little bit more about the church. Vous allez en apprendre plus sur l'église. God bless you all. Dieu vous bénisse. Amen. Amen.